Et bah salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ce 14e break pour le challenge 24 jours, 24 breaks de batterie. Aujourd'hui on attaque avec un tout nouveau type d'enchaînement, on reste en double croche mais cette fois-ci on va faire des alternances de coups, droite pied, gauche pied. Ça a l'air facile comme ça mais ça l'est pas totalement. Je vous propose qu'on voit le break tout doucement et on va comme ça se déplacer sur la batterie avec un coup de chaque main entrecoupé d'une grosse caisse entre chaque coup. Vous allez voir, 3 et 4 et... Ok, donc là je fais un coup de chaque main et je mets un coup de grosse caisse entre chaque coup tout simplement. Je vous montre ce que ça donne sur une caisse claire. On recommence. Et le principe c'est de faire le tour des tomes. Donc là on va faire caisse claire, tome aigu, tome médium, caisse claire, tome aigu, tome médium, etc. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais alterner droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Donc on va alterner au premier passage, je vais avoir la main gauche ici, et au deuxième passage, j'aurai la main droite ici, ce qui va donner ça. Il faut le prendre très lentement, le but c'est que ce soit fluide. Donc on va travailler ça à 60 BPM et je vais le faire tourner en boucle comme ça. Vous allez le voir un petit peu comment on le travaille. Le but c'est vraiment que l'enchaînement soit fluide. Donc travailler comme ça, on va voir maintenant ce que ça rend un tempo un petit peu plus élevé, on va monter à 90 BPM. Ça sonne plutôt pas mal, alors c'est un break que si techniquement vous êtes à l'aise, vous pouvez le pousser super rapidement. On va voir ce que ça donne à un tempo un peu plus rapide. Ok, donc 110. C'est un break qui peut vraiment être poussé extrêmement rapidement. Alors, c'est toujours plus difficile de faire un coup de chaque main. C'est vrai qu'un coup pied-main, c'est super facile. Beaucoup plus facile dès qu'on doit mettre les deux. Ça demande vraiment un peu plus d'entraînement, surtout par rapport à votre main faible. Le conseil que je vous donne, c'est de vous déplacer sur la batterie. Ok, et ben on a fini aujourd'hui pour ce 14e break. J'espère que ça vous plaît. Dans tous les cas, j'essaie de diversifier les techniques pour que vous puissiez avoir un éventail de techniques suffisantes pour faire plein de choses. N'oubliez pas de télécharger la partition dans la description, c'est hyper important. N'hésitez pas à vous abonner. Merci encore pour vos retours. La série plaît bien, donc c'est super. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. À demain, ciao ciao.